toujours dans les propriétés des acides gras, on va maintenant voir la réaction d'estérification, qui est une réaction entre un alcool et un acide pour obtenir un ester et de l'eau. In vivo, cette réaction peut se faire à partir du glycérol, ou bien du cholestérol, avec un acide gras. Si on commence par le glycérol, le glycérol c'est un trialcool avec trois fonctions OH. Il peut donc être estérifié par trois molécules d'acide gras. Lorsqu'une seule molécule d'acide gras se fixe, on obtient un monoacide glycérol. Si par contre deux molécules d'acide gras se fixent, une ici et une ici, on obtient un diacyl glycérol. Si trois molécules d'acide gras se fixent sur les trois fonctions OH, on obtient un triacyl glycérol ou triglycéride. Maintenant, avec le cholestérol, donc c'est un alcool qui est formé par ce qu'on appelle un noyau cholestal, quatre cycles qui sont accolés. Il possède une double liaison entre le carbone 5 et le carbone 6 et une fonction OH qui peut être estérifiée par un acide gras. On obtiendra donc un stérile avec libération d'eau. Le cholestérol sert également à former les hormones stéroïdes.